Maiev ou Bran? Y'a quoi de bien avec Bran? Murloc, je sais pas ce que ça donne maintenant que... Ils ont quand même assassiné beaucoup de choses en Murloc. Principalement le Primeleron, vous me direz. Après, il y a Uran. LM, LM c'est ok avec Bran. Dragon, c'est fort avec Bran. Enfin, ça dépend de quel compo. Je pense quand même que Maiev, c'est meilleur. En fait, Maiev, c'est... Je suis moins forcé de jouer un truc, quoi. Nouveau sort. Bah, à l'époque, il y avait un serviteur qui inversait l'attaque et la vie d'un serviteur, mais c'était un peu trop fort en Je vrai. suis libertine, je suis une catin. En vrai, on va prendre l'écho ici. Merci beaucoup le renouveau pour le sub. Qu'est-ce qu'on en pense de lui maintenant? Je sais pas trop. Toujours pas ouf, je dirais. Ah non, si. Non. Ça dégoûte, ça. Les petits fights tourins là qui se décident sur qui attaque en premier. Ça, c'était écœurant. La thune, l'argent, la moula, l'oseille. L'oseille. En fait, j'aime J'aime bien vraiment l'oseille. pas. Après, on va encore perdre du coup contre mort-vivant, mais. Ah, en vrai, dans tous les cas, je pourrais roll. Avec ceci, donc je pense que c'est pas si mal de faire ça. Merci beaucoup, Tota Toto, pour le prime. Je reconnais ça, c'est des petits primes parce que vous vous êtes fait plus bête. Je joue le Dinodompteur, quel serait le plan de jeu pour toi? Ah bah, ça dépend des tribus présentes dans ton lobby. Les bonnes tribus, en général, c'est Dragon à travers Kalégos. Uran, ça peut être acceptable. Alors attends, on va prendre ça. Oh. Ça, j'aime bien. Hein. Je veux lui prochain tour. Je pense que je mets ça là-dedans. Et j'achète E2 prochain tour. Bien Ça me joué, semble très très imbécile! bon. Bah ouais, non, mais si tu me donnes pas toutes les infos, je peux difficilement t'aiguiller. Comme je disais, en effet, Uran, tu peux utiliser. Murloc, je sais pas trop. Élémentaire, t'as des possibilités. Ah oui, ils ont vraiment enlevé Mecha, là, je le vois plus. Si on dit non. En vrai, je pense qu'on va abandonner lui. On va plutôt prendre la petite fille avec. Genre là, on fait... Tac. Tac. On pièce. Hop, hop, hop. Bon, mais insane le tempo qu'on a. Alors attendez, il faut que j'aille rentrer... Ouais, viens me voir avec sa tête de Mickey, en général, c'est qu'il faut aller ouvrir la porte pour aller faire pipi. Oh, ça gratouille. Oh, ça gratouille. Ça vaut quoi, démon? Bah, c'était très fort, mais ça a pris pas mal de nerfs, donc... à voir, je pense que ça doit rester... correct, mais en vrai, je sais pas. Oh! Attends, mais... J'aime pas du tout, là.
Comment ça se fait qu'il est super fort? Attends, mais j'étais hyper fort pour un T4, mais son cyclone nous a fumé. Ok. Je reste convaincu qu'on est plutôt fort. Je reste convaincu que ça, c'était de la grosse merde, par contre. Hein. J'ai testé Dame Murmemort, c'était marrant, mais Dragon plus fort encore. Ah, le truc, c'est que Dame Murmemort, bon, ils ont ramené une carte du passé qui était pas... qui était pas non plus exceptionnelle, quoi. J'ai du mal à imaginer que Dame Murmemort soit très fort. Mes cas sont retirés du jeu, bah il semblerait. C'est con parce que c'était ce que je voulais le plus essayer parce que ça avait l'air bien bien up. Mais peut-être qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait un bug avec tous les changements qu'ils ont opérés. Donc j'ai l'impression que pour le moment on n'a pas les mechas parmi nous, ouais. J'ai l'impression qu'ils ont du mal avec ce lancement de saison, le mode duo. Hein. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de bugs. Oh, nice. La thune, l'argent, la moula, l'oseille. L'oseille. On l'a. J'aime bien l'oseille. Ah, cassé. Bon, il faut dire, il est déjà taverne 4. Merci Goglou pour le prime. C'est bien, mais en aucun cas, vous ne devez fléchir, commandant. Oh, attendez. On va prendre ça hein, tous les jours, là. Il va pas y avoir d'HP ce tour, mais ça... Une amélioration bien nécessaire. Bam. En vrai, on peut probablement même envisager de re-up, là. C'est incroyable, le tempo que j'ai. Bon, le problème, c'est qu'il faut identifier Dragon. Quelles sont les possibilités de jouer Dragon? Bon, soit celle qu'on a jouée ici, mais on n'est pas pour l'instant vraiment parti pour, et surtout, si je level up, c'est compliqué. C'est plutôt une compo où il faut rester à 24. Après, sinon, il y a Kalegos... Mais, le truc c'est que Kalegos, bah, il faut du 6, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, ce qui m'embête, c'est que si je vais juste à Verne 5, je sais pas ce que je vais jouer. J'ai l'impression que c'est... Si je veux up, c'est directement à Verne 6 qu'il faut aller, quoi. Et en vrai, on a possiblement juste le tempo pour aller à Verne 6, hein. Je suis vraiment colossal, là. On a 34 points de vie, à voir ce qui se passe prochain tour, mais ça me choquerait pas. Hein. On a deux paires. Le fait d'avoir des paires, ça peut inviter à rester un petit peu de temps en taverne. Oh. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que là, faut qu'on lâche un HP, hein. Donc ceci dégage. Pour moi, le HP, il part là. Je pense, hein. Aucun de ses serviteurs ne va me servir. Et on rend lui énorme. On aurait pu mettre un taunt là, mais bon, je m'attends... C'est très peu probable qu'il y ait une toxie ou un truc ici, donc go. Et là, ça dépend. Je pense que l'erreur que j'avais faite sur cette game, c'est que j'avais up, alors que j'étais passé sous les 30 points de vie. Ici, si on gagne le combat, je pense que j'ai le droit de up. Par contre, si, à l'inverse, si on le perd, il faudra plutôt essayer de trouver nos triples. Ou trouver un Bran sur le tour, des trucs comme ça. Mais ouais, toutes les bonnes win conditions, là, c'est...
Il faut un peuple. Ce serait Kalégos, ce serait lui. Ce serait champion de grise tête avec LM. Aïe aïe aïe. Va falloir être fort. Ok, ça c'était bien. Oh. À droite. Ouais. Oh mais attends, on s'est régalé lui. On s'est régalé. Bon bah du coup on a le droit de up grâce à ce 50-50 gagné. On va vouloir mettre Mordekaï dans la marmite. Hop là. Parce que là, quoi qu'il advienne, j'ai forcément grand minimum 2 tours. Même si ça, dans le pire des scénarios, j'ai grand minimum 2 tours. Sachant qu'il peut y avoir un scénario où si je me fais défoncer sur les 2 tours, je peux jouer le mort. Il peut y avoir des scénarios où je stabilise très vite sur une bonne sortie et du coup tout va bien. Cherche quoi à part Kalec? Bah, de manière générale, des. Bah, Rock'n'Rock, j'imagine que ça doit être ok. Champion de grise tête, c'est ok. Alors... Oh, en vrai ça m'arrange de fou qu'il attaque en premier. Ça par contre c'était nul comme attaque. Ça c'était bien. Ça c'était nul. Ouais, en vrai c'est un moins 10. C'est même pas le moins 15 qui aurait pu être craint. Et encore, il y avait presque moyen de réduire encore, mais bon, il y avait aussi moyen de prendre le moins 15, donc on va pas faire le difficile. Oh, et puis direct le triple, là. Allez, viens par là, toi. Après, on peut voir s'il est là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Mon dépine, c'est un peu lent, hein. Et comme on a dit, on a encore du temps, et puis on l'a vu tout à l'heure, c'est... Quand ça se passe, c'est fortiche. De toute façon, c'est pas comme si les deux autres étaient très forts, hein, quoi qu'il advienne. C'est-à-dire, si je prends pas mon dépine, dans tous les cas, j'aurais pas une dinguerie. Hein. Et je veux tout acheter, là. Ah ouais, il faut que je gère ça aussi. Manque Drakkari. Ouais. Ouais, sachant que là on gagne déjà, donc c'est encore du temps de gratter. J'aime quand on touche comme ça, là. Oh, fuck yeah.
séparer l'ivraie. Vous avez rassemblé une escouade avec laquelle il faudra compter. Juste un tour. Ça va être mauvais, ça, je pense. Et ceci aussi. Ah. Le nombre de gemmes qu'on joue. Je pense même pas qu'on rentre forcément lui tout de suite, ça reste quand même sympa. S'il y avait eu un truc bien HP, mais là c'est pas le cas. Ça va finir sur YouTube, bah ça dépend, pour que ça finisse sur YouTube, faudrait battre ça quand même. C'est pas gagné de battre ça. Et il se débat, hein, le bougre. Est-ce qu'il peut y avoir des spells qui me mettent particulièrement bien? Découvrons-le. Peut-être que dans deux tours, j'aurai envie de changer d'HP. Pas de Dracari là. Oh, il y a un autre comme ça. Pourquoi est-ce qu'on dirait non? Ah, c'est dommage, j'aurais dû attendre avant de vendre l'autre, mais bon, c'est pas très grave. Ah là, il manque juste Dracari, quoi. Il y a effet de fin de tour écrit sur littéralement toutes les cartes. Donc, faut vraiment juste trouver Dracari, quoi, maintenant. Oh boy. Ça se met mal de fou, tous les trades, là. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. M'a pas rendu heureux, là. Ok, ok. Ah, sans Dracari, c'est... Ah, un petit mort? Oh bah oui, j'en avais besoin. J'en avais besoin, évidemment. C'est généreux de la part du jeu. Je pense pas qu'on ait besoin de prendre l'armure, parce qu'il y a des chances que lui saute. Surtout qu'il vient de prendre moins 15, moins 15. Et du coup, l'armure ne sera plus vraiment importante. Après... Ah non, il faut trouver Dracari. C'est vraiment full roll pour Dracari, là.
Le dynamiteur. En vrai, moi, j'ai aucun shield. Le dynamiteur semble être une bonne carte. Et je pense pas que j'ai envie d'attendre deux tours. Parce que contre Mort-Vivant sera bien. Murloc, ça peut péter des trucs. Bon, lui, il est mort. Mais contre l'élème, on a vu, ça aurait été bien. Dynamiteur, ça parle quand même. Hein. Ce qui est fort avec, de fou avec lui, c'est... Ah non, il faut le rentrer, lui. Même si on perd son shield avec le dynamiteur, c'est pas grave. Et on ferait ça, on veut le rendre doré, hein, je pense. J'aurais pu jouer moins de gemmes. J'aurais pu en garder... Ouais, une. Concrètement, j'avais la place pour en garder une dans la main. C'est pas comme si j'avais non plus raté grand-chose. Lui est mort, comme anticipé. Mais en aucun cas, vous ne devez fléchir, commandant, jamais. Les négociants paieraient grassement pour un tel spécimen. Peut-être y avoir des HP qui sont cool là. Oh. Ça malheureusement c'est dans longtemps. Mais en vrai ça. Ouais, je sais pas trop quoi penser de tout ça. Pas évident. J'ai pas eu un super HP, j'ai jamais trouvé Drakkari. Lui, c'est vraiment le serviteur contre qui je sais pas s'il fallait tenter de dynamiter, mais vu que maintenant j'ai eu lui entre temps, j'ai pas trop envie. Les gemmes commencent à être sympathiques, mais ouais, ça vaut pas notre game de tout à l'heure, quoi. On le massacre. Le tracker dit qu'on l'étale pas, mais je soupçonne le tracker de mentir. Hein. Parce que là, mon adversaire, je le vois plus dans la game. Hein. Le joueur de mort-vivant... On va juste l'obstater, hein. Qu'est-ce qu'il va faire, le joueur de mort-vivant? Après, ce qui m'aiderait, c'est de tripler ça ou ça. Je pense qu'on est unlucky depuis tout à l'heure. Ah, je peux pas rentrer ça... Oui, il y a un bug, en effet, avec la limite du tracker. Je sais, je trollais. Ça, c'est bon, ça. Vous voulez une terre sacrée. Est-ce que, en fin de compte, on va vraiment dynamiter?
Ça, c'est un cri de guerre insane, hein, ça. Ça fait trop de choses, en vrai. La carte à elle seule, elle proc ça. Et ça, du coup, ça dit que ça joue... Bah, le prochain tour, ça va être plus 12, plus 13 sur 6 serviteurs. Et en plus, ça fait un double proc là-dessus. Donc c'est plus 12, plus 13 fois 8. Et c'est pas mal. Ah ouais, sympa ce qu'il a tenté de faire. La violence des uranes. Ouais, je confirme que ça a l'air... Bon, après, il faut toucher, hein, Uran. Il faut avoir une sortie suffisamment forte pour te dire que tu... Tu rush 6 comme ça, parce que, bah, ça demande quand même de toucher lui très tôt, et idéalement Charlga à côté tout aussitôt, donc... C'est beaucoup, mais une fois que t'es dans le setup, c'est tout droit. Hein. Je pense pas qu'on prenne ça. Par contre, je pense vraiment que... Nous, on a qu'un shield. Oh. J'aime bien les controns. Ah, c'est pas rond dans tous les cas, vu que... Ah, terrible. Terrible. Petit type. Je pense qu'il aura plus de shield que moi. Hein. C'est un peu pour ça que je joue le tour de cette manière-ci. Hop, déjà on fume son truc. Mais quel free game, dites-moi. Quelle game gratuite, celle-ci. Game moyenne, même pas de Drakari. Bah en vrai... Après, ce qui est bizarre, c'est qu'au final, on a eu des stats aussi grosses que... Après, j'ai eu 8x2, je pense que c'est ça qui a dû jouer. Tout à l'heure, certes j'avais Drakari, mais j'avais Charles Ganon au final. Ok, j'ai pas eu Drakari, mais j'ai eu tous les Uran en double en fait. Puisque celui qui booste les gemmes, je l'ai eu en double. Charles Gage, je l'ai eu en double. L'autre qui se fout les gemmes dessus, je l'ai eu en double. Donc ok, j'ai pas eu Drakari, mais j'ai littéralement eu tous les autres.